Jamie Liddle, you think about the future for the music because many shops won't sell music in some years. So what will the matter for example? Well, the same thing will probably go for DVDs and anything that can be digital. I mean, you know, once you can make something digital, it begs the question why you need a physical copy anymore, because the information is on a computer and then can be transferred. In the past, it was just because the files were too big to move, like a DVD is too big to move, but now even that you can share and distribute. But yeah, I mean, it's new times. People in the general public almost seem to have the opinion that music should be free, and therefore the only thing that is allowing musicians to survive financially is by making public appearances, which you can't digitize, you know? It would be actually more difficult for films because there's no such thing as a live film. I guess it's theater, but it makes it perhaps even more difficult for filmmakers who are making independent productions. D'ailleurs, dans l'avenir, aujourd'hui, on peut tellement tout avoir sur l'ordinateur. De toute façon, pourquoi on s'embêterait avec un CD ou pourquoi on s'embêterait avec un DVD? Ça sera beaucoup plus difficile, visiblement, pour les films, parce que when you make music, you can make it live. So, yes, can have money like that, perhaps a little bit. But of course, everyone is thinking this as well. So venues are very saturated with artists. I want to play too. And they say, well, cool, everyone wants to play, but you get less. Because everyone is wanting to play, then you have too many people they want to play. So then you don't get the same, it's not as rare. Of course, rarity is what makes something valuable. And if something is not rare anymore, maybe we can have some credits on American bucks to live. Maybe. Some American bucks, pardon? Non, il faut aller dans les banques américaines faire des crédits pour vivre, je crois que c'est... Ah ouais, en ce moment. la plus grande puissance économique du monde est en fait la dernière. Yeah, it's difficult times, but I mean, I think maybe the public will start to understand the responsibility. If they want certain artists to continue, there might be new methods for them to contribute to someone's career. I've seen it done, for example, where a band says, look, we want to make a new album, but we need to reach out to our fans to contribute some money in advance of making the album. They get together, say, €10,000, and when they have this money, they can make the record, and then they give it to the people that give them the money. Yeah. You know, and it's working like this in a new system and a new... in a way, we wanted this new age to come. We wanted the computers to come. We wanted the internet to make us free of all the old bullshit corporate systems. And now it's here. We're panicking. You know, so this is stupid. We have to be inventive, creative, and work out new ways. Perhaps the album dies, but it might mean that music is very spontaneous. We can release an idea that, say, I have an idea for a piece of music right now. I can make the music and put it on the internet tonight. You know, instead of do an album, do the marketing for 6 months, do this, the promotion, blah, blah, blah. 1 year time, you get to hear the song that I'm making right now. So for a creative person, it's also, I mean, but then again, then there's a billion people all doing the same thing as you, putting their stuff on YouTube, putting their stuff, everyone is like, I've got something too, and so have I, and so have I. So the same problem, the classic problem still remains, like how to promote yourself so that people actually care that you exist. This is a different question to digital or not digital. This is a question of, like, you know, and also promotion. And people like finding out about these great products. je vais faire une petite synthèse. Hein. Tu m'arrêtes, Fabien, si je me trompe. Le message, c'est que si vous voulez avoir des choses créatives, il faudra de toute façon les financer d'une façon ou d'une autre. Il y a des expériences qui sont menées. Je crois que tu dis digital ou pas digital, internet ou pas, en fait, ça ne change rien au fait que les problèmes restent les mêmes, à savoir qu'à la fin, si tout le monde a une chance de s'exprimer, ça veut dire que plus personne n'écoute, et c'est comme quand plus personne ne s'exprime, et que donc le problème sera d'arriver à faire la promotion et d'arriver à se faire entendre pour ceux qui y arrivent d'une manière différente. Et il disait aussi un truc très intéressant, c'est qu'on a tous rêvé de cette ère où les ordinateurs nous libéreraient techniquement de tout un tas de vicissitudes, et que maintenant qu'elle arrive, et ben on flippe, et on a tort de flipper, on devrait essayer d'être inventif. Et ouais. Tu vas me griller mon boulot là.
Et puis il y avait aussi une innovation dont Jamie parlait, c'est la possibilité de faire comme je pense au Monde et Charlie Hebdo qui ont des sociétés de lecteurs, donc qui appartiennent à leurs lecteurs, c'est-à-dire la possibilité de demander de l'argent au préalable à des gens qui seraient susceptibles, par exemple, d'acheter l'album de Jimmy Liddell et de dire, bah voilà, nous on a besoin de 10 000 euros, chacun va mettre 10 ou 20 euros de sa poche parce qu'ils veulent que Jimmy Liddell fasse un album. Et à terme, une fois que cet album est fait, bien, il reviendra de droit à ceux qui l'ont financé. It's one example. There are many examples. There are That's many. What I mean. You have to use. You can use your imagination. This is just one way to do it. Radiohead, they did it where you pay however much you think the album is worth. And then it's a new system also. Radiohead did it on internet. He put it on internet and he said, "Give what you want," but that's and Radiohead. And then after they did that, they re-released the album on a big label. just to undo all of that amazing innovation, they just went, oh, and also, by the way, you can now buy the album for $10.99. But, you know, so it's a little bit, I think the reason they did that is because the experiment perhaps was not so successful, you know. But anyway, it shows that big, rich bands who everyone would buy the album anyway can do these crazy, innovative things. You know, hard to know. Fabien? If I did it, or if any of us tried the same system, whether anyone would really care. I think sometimes it's just because it's Radiohead, you know, but they don't really care anyway because they're already rich. En synthèse, hein. En synthèse. Radiohead a tenté ça, ils ont sorti un album en disant aux gens, payez ce que vous voulez pour l'album. Mais bon, 6 mois après, ils ont sorti l'album pour de bon et il était à 10 livres 99. Et ils ont peut-être fait ça parce que ça marchait moins bien qu'ils l'avaient prévu. Mais de toute façon, ils peuvent se le permettre, ils sont déjà riches. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on vient de passer plus d'une heure ensemble. Et l'émission, elle fait une heure. Alors, on va essayer d'aller... très rapidement, vos futurs projets. Alors, Philippe Squarzoni, on va commencer dans cet ordre-là. Philippe, toi, tu viens de sortir un après-midi un peu couvert qui change totalement de ce que tu faisais jusque-là, même si tu arrives quand même à nous mettre une sale histoire dans cette contemplation et ce retour sur soi. Voilà. Pour l'avenir, des petites idées en tête ? Il y a un livre qui devrait sortir d'ici une dizaine de jours, qui est un petit portrait de Richard Brautigan aux éditions des Rêveurs. Alors, Richard Brautigan, ouais, qui est un écrivain américain des années 70. Et puis par ailleurs, je suis en train de travailler sur mon prochain livre, probablement pour les requins marteaux, qui sera politique et qui traitera du réchauffement de la planète et du changement climatique. Ça nous fera grandement plaisir, d'autant que les requins marteaux est une structure rock'n'roll alternative qui cherche des nouvelles voies économiques, qui a bien du mal à les trouver et qui peine un peu ces derniers temps. Et on leur souhaite bien du courage, en tout cas, moi et Philippe. Fabien, toi, l'actualité de ces derniers temps, le maître de Benson Guette, déjà ? Oui, voilà, j'en ai sorti un autre qui s'appelle Nécromancie. Et surtout, dans 15 jours, j'ai un truc qui est « Il était une fois en France », tome 2. C'est l'histoire de mon petit juif ferrailleur immigré qui est devenu milliardaire sous l'occupation, qui a fait tuer des gens, qui en a sauvé d'autres. Et c'est une super histoire vraie que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon actu dans 15 jours. Et puis après, je vais faire une comédie sur la mort de Staline. Voilà. Une comédie sur la mort de Staline. Tu m'as dit aussi que tu avais 2-3 projets, notamment celui de parler de Mengele. Mengele, en 2-3 mots, qui est-ce ? Allez, j'ai un projet d'adaptation d'un roman noir, mais là, ce serait plutôt en cinéma. Donc, je sais pas s'il y a toutes les chances sont que le film se fasse pas, comme la plupart des films. Mais bon, j'ai adapté un bouquin sur des mecs qui traquent le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, au Paraguay en 1975. Et le Paraguay, en 1975, n'avait pas d'accord d'extradition avec aucun pays. Et quelque part, ça appartenait à certains Allemands qui n'étaient pas les plus sympathiques. Voilà. Ben, j'ai hâte de voir ça. Depuis que tu m'en as parlé, ça me travaille. Djalil Lesper, après des années et énormément de films en tant que comédien, 24 mesures. Et évidemment, on n'est pas rentré vraiment dans les détails parce que je ne peux pas donner mon sentiment, à part le fait que c'était extrêmement noir. En tout cas, comme tu le dis, c'est des personnages vivants, complexes. On s'attend à... Évidemment que ça se passe bien, ça se passe... pas super bien, mais on n'en dira pas plus. Peut-être quelques mots sur le film de ta part, comme ça, moi, je révèle rien.
Bah, je sais pas quoi dire, tu l'as... Non mais je sais pas, t'as eu du mal à l'accoucher, ce film. Mais il était mortel, son pitch, 24, les 24 dernières heures de la vie d'une prostituée, c'est mortel comme pitch, c'est un non, truc mais super. Écoute, j'ai pas du tout eu du mal à l'accoucher, au contraire, il a accouché très vite, tout s'est fait très très vite, de l'écriture au tournage, enfin vraiment ça a été très très rapide, donc ça a été un accouchement douloureux mais rapide. Mais rapide, et qui t'a donné d'autres envies pour la suite, de rester derrière la caméra notamment? Bah les deux, moi je creuse un endroit qui me plaît, que ce soit comme acteur, comme réalisateur, dans le théâtre aussi. Donc voilà, je fais. Dans le théâtre aussi? Oui, enfin voilà, je continue mon travail avec peut-être différentes casquettes, mais avec la même ardeur, conviction, plaisir. Excuse-moi, à chaque fois je suis troublé, je te vois sans cheveux dans Virgile et je te vois là avec tous ces cheveux, à un moment un personnage très brutal, et là t'as l'air plutôt néo-romantique, donc je suis surpris. Voilà. Et donc pour la suite, pas de projet pour le moment installé, on va dire. Si, il y a des films qui sortent cette année, un sur le Rwanda, un sur... Qui s'appelle sur le Rwanda ? Qui s'appelle Les Zones Turquoises. Les Zones Turquoises. Qui est une histoire vraie d'un journaliste qui s'est pris le génocide en pleine figure. Il y a un film italien qui était à Venise, qui devrait sortir en France, qui est aussi une histoire vraie d'un Français, un clown de rue qui a débarqué à Bucarest juste après Ceausescu et qui a décidé de vivre et d'aider les enfants des rues, parce qu'il y avait énormément d'enfants dans les rues. Et puis, ma foi, l'écriture, et puis un autre film qui doit se tourner. Voilà. Ah, beaucoup d'activités. Jamie Liddle, your album Get There in April. You have no more album right now? Some project, perhaps? Well, I'm touring until pretty much February next year. So that keeps me busy. February? Yeah. A new one? Yeah, I'm touring this one a lot. Il est en tournée jusqu'à février. Ouais, touring. Merci. T'embaucher régulièrement, je crois, Fabien. Ah, not a new album, no, not by February. No. Okay, you're all over the world. You're playing. Exactly. Yeah. So right now, no more project, or perhaps a day playing for a movie, because your music can go on a movie. Well, you know, this happens sometimes. You know, why not? I'd like to perhaps go to the Super Collider in Geneva. Because I also have a band called Super Collider. I'd like to record in the Super Collider in Geneva, the new one, the one that's capable of creating black holes. Donc il y a un super club à Genève. I'd like to see a black hole, perhaps smell one, and then I think I'll record an album in there, maybe discover a cure for cancer, and relax. And relax. And next time you will have some music like tango, because probably electro tango. Electro tango. Who knows? You know, who knows? No one knows. Either that, or I'm just going to have like a massive plate of pasta and forget everything. Everything. You know. Very nice of you to be here today. Merci à tous. Merci beaucoup. J'avais un milliard de questions à vous poser encore. Je pense. Que vous aviez des questions à poser, je ne vous ai pas regardé de tout le temps. Voilà. Est-ce que peut-être il y a 2-3 personnes, ça vous travaille au niveau de l'estomac, vous ne pourriez pas sortir si vous n'avez pas posé votre question? Non, pas du tout. Bon, bah alors écoutez, il ne reste plus qu'à fermer cette parenthèse. Enchanté, je l'espère. Jamie Liddle, merci. Jalil Lesper, merci. Fabien Nury, merci. Philippe Squarzoni, merci d'être venu. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast culturel de la FNAC, que vous retrouverez sur la FNAC Live en images, et que vous retrouverez aussi sur le wfm.fr en son exclusivement. Merci beaucoup et à très bientôt d'ici un petit mois.